Mesdames et messieurs, bonjour, c'est BFA, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pokémon Go avec de l'évolution encore aujourd'hui. Je ne vous oublie pas pour une chassounette en vidéo, seulement je sais pas encore quel bon format à faire. Voilà, parce que il y a des moments où c'est pas hyper intéressant de voir choper, je sais pas, des roucoups ou des petits aspicots, enfin c'est pas ouf. Là vous voyez, on se fait noix de coco, alors j'ai cherché des œufs en fait, hein, voilà, le nœud neuf quoi. Et voilà, il en fallait pas masse trop non plus, ça n'était pas trop difficile de le choper pour en avoir un bien parce que j'en avais un pourri avant, donc ça c'est plutôt cool. On s'est refait un Aqualie parce que le rappelez-vous, celui d'avant, on avait fait un test pour vérifier le renommage en Rainer. Maintenant qu'on voit que ça marche bien, alors on s'est fait un Aqualie plus conséquent. Je suis toujours à la recherche d'évolis aussi de OCP pour pouvoir faire quelque chose de bien. Bon, pour l'instant, ce sera un Aqualie, plus de 1000 PC, c'est bien, c'est pas voilà, hein, c'est pas le top du truc. Par contre, je cherche aussi à débloquer ceux que j'ai pas, donc là, avec du mystère, on peut faire du Ortie, on peut faire du je sais plus comment il s'appelle, Rafflesia, je crois, Rafflesia, on va voir ça tout de suite, de toute façon, l'image derrière. Un bon petit champi, voilà, vénéneux. Ou je sais pas, enfin on dirait, là je le boufferai pas personnellement, mais enfin vous, c'est vous qui voyez. Donc ça c'est cool, ça complète la collection. Après clairement l'Aqualie, bon, alors de ce que j'ai cru comprendre aussi, parmi les meilleurs Pokémon en arène, il y avait du Aqualie, il y avait du Léviator, il y avait du Loclass, il y avait du Ronflex, etc. Et que ben ceux-là par exemple ils sont pas trop. L'Aqualie par contre fait partie des bons combattants d'arène, de ce que j'ai pu lire. Vous me confirmerez vous-même, vous les experts, hein. Moi étant toujours le noob, hein, ça a pas changé depuis, hein, c'est juste que je me documente un peu plus. Le groupe X pour avoir à son évolution que je n'ai pas. Le groupe X, qu'est-ce que ça va donner? Je me rappelle plus. Je crois que j'avais eu quelque chose de 970 ou quelque chose comme ça. Voilà, en point de combat, pareil, c'est pour la collection. Je crois pas qu'il soit ouf au combat. Alors j'ai pas fait des tests de ouf non plus, hein. J'ai pas essayé tous les Pokémon en arène. J'ai fait des tests d'arène. J'ai compris qu'on pouvait rester appuyé sur le Pokémon pour pouvoir lancer sa capacité spéciale. Alors j'ai vu aussi que les Pokémon au niveau de le... ils sont pas tous les enfin ils sont pas tous les mêmes, même dans une catégorie, enfin même pour un Pokémon. Arcaninos par exemple, Arcanin est très très bien en arène aussi, donc là c'est vrai pour et pour le débloquer et pour l'utiliser éventuellement en arène. Donc il y a différentes capacités en plus des points de vie et des points de combat, et il y en a qui sont il y a des capacités mieux que d'autres. Et voilà, je sais pas, par exemple on va dire à titre d'exemple, un Ronflex avec l'échouille et plaquage, c'était le top. Voilà, donc il vaut mieux. Non, je vais faire attention d'économiser maintenant plus qu'avant ma poussière d'étoile pour EP justement les Pokémon, quitte à en avoir en double. Ça peut servir finalement d'en avoir en double s'il y en a qui ont des capacités mieux que d'autres, pour améliorer celui qui a les meilleures capacités avec bien sûr des bons CP et des bons points de vie. Les amis, on va se le faire ensemble. Le Léviator. Alors j'ai pas, voilà, ça m'a saoulé un peu, voilà, toutes ces cartes à choper, et j'ai pas trouvé plus que du 135. Ça fera pas un Léviator de ouf, mais bon, je n'ai pas la patience. Voilà, je n'ai pas la patience d'aller en chercher une Magikarp plus grosse. Ça me prend un peu la tête. Donc on va faire évoluer celui-là. On va voir ce que ça va donner. Je pense qu'on, alors c'est x10 à peu près, hein, on va voir. On va voir ce qu'on aura, mais on va avoir quelque chose de. Il y a moyen, je pense, de se fighter un petit peu en arène avec, quoi. On va voir. Allez, faire évoluer, on y va. Au pire, avec ce que je dis, on ira refarmer de la carpe, mais peut-être pas en intensif, en fur et à mesure. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Sinon, il y a pas mal de sites aussi. Alors, j'aimerais bien aussi que vous partagiez un petit peu vous aussi entre vous là dans l'espace commentaire les différents sites qu'il y a autour de Pokémon Go, entre autres par rapport aux outils, justement pour calculer. Ce qu'ils appellent l'IV d'un live d'un Pokémon, c'est-à-dire le pourcentage de s'il est top quoi. Ah, 1500 quand même, 1532, ouais, j'aurais dit 1003, ouais, c'est bien, hein, c'est pas si mal. Je vais pas le faire évoluer, 3000, ça bouffe la poussière. Je vais attendre, je vais attendre. Néanmoins, c'est pas mal. Ouais, non, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, on n'est pas. C'est pas dégueu. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il y a différents sites pour calculer l'IV, et donc j'en ai plusieurs.
si vous voulez, je crois soit une petite vidéo récap avec tous les différents sites que j'ai trouvés, soit vous. Bon, ce qui serait bien, c'est peut-être que vous aussi vous partagez différents sites dans ce commentaire-là, que je puisse faire des pioches et puis voir un petit peu. Et en fait, c'était basé sur les points de combat, les points de vie, le point, le nombre qu'il faut pour le rechargement. Et puis après, bien sûr, à voir aussi à côté. Voilà, ça vous permet de calculer s'il est bien. Et puis après, bien sûr, il y a les capacités. Alors là, il a quoi celui-là? Il a morsure hydrocanon. Alors, me demandez pas, je sais pas, j'ai pas regardé encore. Faut voir. Et sinon aussi, j'ai différents sites. J'en ai un déjà, rien qui me permet de voir les noms anglais, français. Parce que des fois, si vous utilisez Pokévision, que vous regardez où il y a des trucs, c'est les noms anglais. Enfin bref, c'est pas toujours easy. Pour ceux qui sont pas trop dans le move comme moi, on va y arriver un jour. J'espère que cette vidéo néanmoins vous aura plu. On se dit à très vite. J'essaie de capturer encore des best moments de différentes chasses et de vous faire soit une compile, soit une chasse intégrale. On verra selon la qualité de la chasse. À très bientôt les amis, bisous bisous.